Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce nouvel épisode de l'inventaire, je vais vous montrer vite fait là du coup la manette GameCube Resident 4 Collector, du coup la manette tronçonneuse. Donc du coup qui est rangée dans une boîte qui ressemble à cela. Donc comme vous voyez, voilà une boîte en plastique un peu cartonnée. Voilà, donc vous voyez des inscriptions. Donc voilà, c'est marqué manette tronçonneuse, édition limitée de design spécial avec numéro de série unique. Original design avec les éclaboussures de sang, chaque tronçonneuse est différente. Design supérieur qui améliore l'expérience du jeu à fonction de vibrations réaliste. Voilà, manette contrôleur, le dos, donc 6 années ont passé depuis la destruction de Raccoon City, le blabla habituel à la RE4. Voilà, donc dessous, c'est marqué Capcom. Voilà. Voilà, donc du coup, cette manette, je l'ai payée 220 € il y a 2 ou 3 ans. Donc je remercie un ami qui m'a aidé à la prendre. Donc voilà, donc la boîte dedans, ça ressemble à ça. Donc voilà, il y a un petit plastique qui protège le dessus. Et ensuite, du coup, on a, voilà, sans le plastique, du coup, ça donne ça. Comme vous voyez, elle a fait casser la gueule. la manette, c'est ça. Donc, comme c'est dit, voilà, les éclaboussures de sang sont uniques. Donc voilà, chaque manette a ses propres éclaboussures de sang. Donc par exemple, là, moi j'ai une grosse coulée avec plein de petites taches. Les autres n'ont pas forcément la grosse coulée avec les petites taches autour. Ils ont peut-être que les petites taches ou la coulée est peut-être moins grosse. Voilà, vous comprenez le système. Donc du coup, moi j'ai le numéro 14845 sur 50 000. Donc voilà, il y en a 50 000 de cette version-là. Donc voilà, vous voyez, c'est la version Jeanne. Donc voilà, donc il se tient du coup comme ça, pour jouer. Ah, c'est assez compliqué. Et comme vous avez pu le voir, il y a du coup un petit socle. Voilà, pour tenir la manette, un petit socle, avec du coup un endroit pour mettre une petite carte mémoire. Voilà, c'est plutôt cool le petit socle, voilà. Et du coup dedans il y a le câble, mais je vais pas l'ouvrir parce que sinon c'est la galère à le remettre dedans. Donc voilà. Hop, je vais vous montrer un peu ce que ça rend du coup sans la boîte, le socle avec la manette posée dessus. Voilà, ça donne un truc comme ça. Est-ce qu'on voit? Je crois que oui. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça avec le socle et la manette posée dessus. Et il y a également du coup dedans un petit livret, voilà, comme ça, avec le boléon dessus. Et puis voilà, pour expliquer deux, trois trucs. Alors qu'est-ce que ça raconte? Merci d'avoir acheté la manette. Cette manette était conçue pour non seulement te permettre d'entrer encore plus dans le jeu en utilisant la maudite tronçonneuse, elle améliore aussi le jeu des situations difficiles où tu dois réagir plus vite pour survivre. Voilà, des trucs comme ça. Voilà. Donc voilà, je l'ai payé du coup 220 €, je vous ai dit le prix, alors je vous ai dit le nombre et tout ça, donc pour moi j'ai fait le tour. Donc et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de l'inventaire sur la manette tronçonneuse GameCube de Resident Evil 4, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai plus tard du coup celle de version PS2, voilà, pour montrer, comme ça vous aurez un comparatif pour avoir la différence entre les deux. Mais voilà, moi je préfère la version PS2, mais celle-là j'ai l'impression qu'elle est plus rare, parce qu'à chaque fois que je la vois, elle est beaucoup plus chère que la PS2. Donc la PS2 je l'avais payée 120 et celle-là 220, donc 100 € de plus. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera potentiellement un info et rumeur fin de semaine, du coup un info et rumeur sur Resident Evil. Et puis voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.